Une Smart City se doit de prendre en considération l'environnement. Elle est conçue de manière à ce que son bilan énergétique soit le plus mince possible, en optimisant au maximum son réseau électrique ou en privilégiant les espaces verts. Prenons l'exemple d'une famille qui habite dans cette ville. Leur maison sait se charger de la régulation du chauffage, de la luminosité en fonction des conditions climatiques extérieures communiquées par des capteurs. La famille fait donc plus d'économies d'énergie sur ce sujet. De même, les lampadaires de la rue ne pourraient s'allumer que lorsqu'ils détectent le passage d'un piéton ou d'un véhicule. Ils ne seraient donc pas allumés inutilement toute la nuit pour éviter encore une fois un surplus de consommation électrique. Un autre atout serait la réduction de la pollution lumineuse, qui nuit à l'environnement. Enfin, les énergies renouvelables vont être privilégiées pour réduire le rejet de particules fines dans l'atmosphère et les déchets des énergies conventionnelles. Des habitants de cette petite planète bleue qui aura réussi à re-régler le climat, à vivre en symbiose avec la nature, en passant de l'économie linéaire qui produit, qui consomme, qui jette et qui génère de la dette, pour créer véritablement une économie circulaire qui fait en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclé en boucle vertueuse. Ces villes, elles sont directement inspirées de l'analyse du vivant. En tant qu'architecte, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer des formes, des structures, de l'intelligence des matériaux et de toutes les boucles de rétroaction qui existent dans les écosystèmes matures. Le projet Aikorea, inspiré d'une méduse bioluminescente, est un ocean scraper, à l'inverse d'un skyscraper, c'est-à-dire c'est une tour inversée qui, au lieu d'aller gratter le ciel, va gratter le fond des océans. On y entre par une grande marina qui vient accueillir des champs dédiés à la permaculture qui nourrit les habitants de cette ville. Vous pourriez vivre dans une ville amphibienne qui se développe aussi bien au-dessus du niveau de l'eau qu'en dessus du niveau de l'eau. Cette ville construite en algoplastes serait destinée à être calcifiée, c'est-à-dire à construire un exosquelette exactement comme le font tous les coquillages qui se trouvent dans les océans. C'est une ville qui vivrait en totale symbiose avec votre environnement, où l'être humain vivrait dans des espaces intérieurs biophiliques et son jardin finalement serait constitué par les baleines, les orques et tous les poissons qui vivraient en liberté autour de cette ville. Explorer comment, en respectant la terre, on peut également construire sur la mer, inventer des nouveaux modes de vie qui soient voués non pas aux sédentaires, mais bien à des nouveaux nomades qui pourraient durant toute leur vie vivre en symbiose avec les océans.